gens qui pratiquent l'économie collaborative, c'est des gens qui vont s'y adonner avant tout pour des motivations économiques. C'est-à-dire, ceux qui ont un besoin vont le faire pour consommer moins cher. C'est clair, donc il y a une notion de consommer malin. Et les gens qui vont répondre, c'est pour arrondir leur fin de mois. Donc la motivation première des gens qui s'adonnent à l'économie collaborative, elle est économique. Et d'ailleurs, ce que l'on sait peu, mais c'est pourtant une réalité, c'est que l'économie collaborative est justement une façon de pouvoir continuer à hyper-consommer et n'est absolument pas un rejet de la société de consommation. Ensuite viennent d'autres motivations qui sont la motivation sociale, la motivation écologique, consommer responsable, etc. Ça sont des motivations réelles, mais elles viennent ensuite.